Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une joie encore de nous retrouver en ce nouveau matin pour rendre grâce à ce Dieu grand et fidèle dans nos vies. Lui dit merci parce qu'il nous a réveillés. Lui dit merci pour nos maisons, pour nos familles et nos nations qui se réveillent en ce matin. Lui dis merci pour ses bontés qui se renouvellent encore. Pour le don gratuit de la vie, pour le souffle de vie, nous voulons lui dire merci. Toujours en unisson de cœur avec nos anges gardiens et avec tous les saints et saintes du ciel. Et en ce matin, qu'il donne à tout un chacun, où il nous invite encore à la conversion réelle de nos cœurs et de nos âmes. Où il nous invite encore à un abandon total dans sa présence. Où il nous invite encore à réellement nous laisser aller dans sa présence. Où il nous demande d'ouvrir nos cœurs, de sorte à pouvoir le recevoir comme il se doit, mais pas dans un cœur rempli de colère, de tristesse, d'amertume, mais un cœur libre, afin qu'il vienne encore faire du bien, qu'il vienne nous remplir de lui, de sa présence, de son amour. Voilà pourquoi en ce matin, nous voulons le louer, le célébrer, et dans cette louange, dire à Dieu, nous sommes là pour toi. Alors fais-nous tout simplement voir ta gloire. Que ta gloire encore soit manifeste dans chacune de nos vies. Au travers de cette louange, que ce soit une invitation que tu viennes encore déposer au devant de son trône. Qu'au travers de cette louange, que tu puisses réellement t'abandonner et lui parler de tout ton cœur. Car oui, nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu fidèle. Nous n'avons un Dieu qui n'est semblable à aucun autre Dieu. Un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu excellent. Alors ce matin, au travers de cette louange, tu peux même inviter ton frère, tu peux même inviter ta sœur encore à découvrir ce grand et bon Dieu. Amen. Venez voir comme Jésus. Comme ce Seigneur est merveilleux, excellent.
Là où tu penses qu'il ne peut pas te toucher, qu'il ne peut pas te visiter, qu'il ne peut pas te guérir. En ce matin, il vient te dire tout simplement, viens à moi et je te montrerai les délices de mon royaume. Viens à moi et je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Ce n'est pas un Dieu qui vient te conditionner. Ce n'est pas un Dieu qui vient te dire tout simplement, si tu ne fais pas, si tu ne viens pas à moi, tu n'auras pas ça, parce qu'on a un Dieu très patient. Un Dieu très patient qui l'attend. Qui attend tout simplement que tu veuilles ouvrir la porte de ton cœur afin qu'il y entre. Qu'il nettoie et de purifier et d'y mettre tout ce dont il a besoin pour toi. Tout ce qu'il pense être bon pour toi, qu'il puisse réellement te les donner. Alors que cette invitation touche ton cœur en ce matin, que cette invitation touche ton âme en ce matin, afin que l'Éternel Dieu des armées puisse faire ce qu'il veut dans ta vie, qu'il fasse comme bon lui semble dans ta vie, au sein de ta famille, de ton foyer et de tous les domaines et compartiments de ta vie. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Il est bon. Ce grand roi, il m'a comblé bien au-delà de toutes mes attentes. Là où il y avait encore des maux dans ma vie, il est venu tout simplement me visiter et me guérir de toutes ces maladies. Mon roi m'a tout donné parce qu'il s'est donné à la croix pour moi. Mon roi m'a tout donné quand il s'est laissé flageller, quand il s'est laissé injurier à ma place. Quand bien même je l'ai rejeté, il est venu encore se donner à moi, tel qu'il est. Alors c'est à cette même image que je t'invite aussi de là où tu es, à le prendre tel qu'il est, à l'inviter totalement à venir prendre possession de tout ce qui est dans ta vie, de tout ce qui est dans ta vie. Alors je te souhaite de passer une excellente journée, toujours dans la présence de notre Seigneur. Nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.